الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قلنا أن الإمام أبو منصور البغدادي قال: اعلم أن تكفير زعماء المعتزلة واجب من وجوه، وذكر لما وذكر ماذا يعتقد هؤلاء المعتزلة. الإمام أبو منصور البغدادي a cité dans son livre التبصرة البغدادية que il a dit sache que il faut déclarer les chefs de المعتزلة non croyants. Et il a cité pourquoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont dit ces chefs de l'Mu'tazila, parce qu'ils ont plusieurs fausses croyances. Parmi les choses, il a dit وَزَعْمَ ثُمَامَ أَنَّ الْمَعَارِفْ ضَرُورِيَّ وَأَنَّ عَامَّةَ الدَّهْرِيَّ وَسَائِرِ الْكَفَرَ يَصِيرُونَ فِي الْآخِرَةُ تُرَابًا لَا يُعَاقَبُ مِنْهُمْ أَحَدٌ. Un parmi les Mu'tazila qui s'appelle Thumama, il a prétendu que les connaissances, c'est des choses qui viennent à la personne malgré lui. ضَرُورِيَّ, c'est-à-dire il vient à ton cœur, et nous on sait qu'il y a des choses qui viennent, par exemple votre présence, ça vient au cœur, je n'ai pas besoin de réfléchir. Il y a certaines choses qui viennent au cœur sans réfléchir, il y a d'autres choses, il faut utiliser des arguments, des preuves pour qu'on arrive à la connaissance, comme plusieurs sortes de sciences. Mais lui il a dit non, tout ça c'est des choses qui viennent au cœur sans réfléchir, et il a prétendu, c'est ça qui est grave, il a prétendu que les athées et tous les mécréants dans l'au-delà, ils deviennent de la terre, que personne ne sera châtié. Alors, mais dans le Coran, il y a plusieurs ayats à ce sujet. يقول يصيرون ترابا لا يعاقب منهم أحد ما معنى خالدين فيها أبدا وحرم السبي واسترقاق الإماء. Il a interdit le fait d'avoir des esclaves, et lui il a interdit, mais dans le Coran on trouve des versets à ce sujet. وقال بأن الأفعال المتولدة لا فاعل لها. Il a dit que les actes qui se réalisent, alors cette personne ne l'a fait. Mais comment? Nous on a dit l'être humain acquis et Allah crée. Alors le fait de dire لا فاعل لها, est-ce qu'il y a des actes sans acteur? Lui il a prétendu ça. أن أفعالا تكون من غير فاعل. وزعم البغداديون منهم أن الله لا يرى شيئا ولا يسمع شيئا إلا على معنى العلم بالمسموع والمرئي. Il a dit البغداديون parmi les Mu'tazila qui vivent à Baghdad, ils ont dit Allah ne voit rien, n'entend rien, sauf que il sait, oui, il a dit dans le sens il sait, mais pas, il voit pas. Il n'entend pas. وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ dans le Coran al-Karim. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Alors, la science est un attribut, la vue est un attribut, lui est un attribut. Alors, ces gens-là, ils ont nié. Et tout ça, c'est de la mécréance. C'est pour cela qu'il a dit, il faut les déclarer mécréants. وَزَعْمَ الْجُبَّائِيُّ مِنْهُمْ أَنَّ اللَّهَ مُطِيعٌ عِبَادَهُ إِذَا فَعَلَ مُرَادَهُمْ. Et là, le Jubba'i, il a dit, Allah obéit à ses esclaves lorsqu'il fait ce qu'ils ont voulu. Il a dit Allah obéit à ses esclaves lorsqu'il fait pour eux ce qu'ils ont voulu. Yani il a prétendu que la volonté de Dieu est sous la volonté de l'esclave. Za'ama anna iradat Allah tahta iradat al-'abd. Qal Allah yuti'u 'ibadahu idha aradu. Kufr hadha, ça c'est de la méfiance. وقال ابنه أبو هاشم باستحقاق العقاب والذم لا على ذنب. Il a dit que oui, la personne mérite d'être punie et châtiée et critiquée même s'il n'a pas fait de péché. Comment? استحقاق, tu vois, il a dit que l'être mérite d'être puni et châtié sans péché. Comment ça? C'est pas juste. وقال أيضا بأحوال لله تعالى لا موجودة ولا معدومة ولا معلومة ولا مجهولة. Il a dit il y a pour Dieu ce qu'on dit al-hal. Il a dit n'existe pas et qui n'est pas dans le néant et il n'existe pas. Et il a dit ni connu ni ignoré.
Mais c'est quoi ça? وأنواع كفرهم قال لا يحصيها إلا الله تعالى. Il a dit le Baghdadi Abu Mansour que les sortes de mécréances chez les Mu'tazila, c'est Allah qui les cerne. C'est-à-dire ils ont plusieurs sortes de mécréances. C'est Allah Ta'ala qui est le Tout-Puissant et qui sait qu'est-ce qu'ils ont dit comme mécréances. وقد اختلف أصحابنا فيهم فمنهم من قال حكمهم حكم المجوس لقول النبي القدرية مجوس هذه الأمة ومنهم من قال حكمهم حكم مرتدين لم يختلفوا في تكفيرهم إلى دي نوتر إمام نوز إمام الأشاعرة أو إن ديفيرجونس est-ce qu'on on les considère comme les mages parce que les mages croient à deux divinités et eux, Allah Ta'ala, le prophète a dit d'eux, sont Al-Qadiriyya, c'est l'image de cette communauté. Et d'autres ont dit, ils sont des apostats. C'est-à-dire, il n'y a pas une divergence sur leur mécréance, mais est-ce qu'on les considère apostats ou comme les mages? ثم قال أجمع أصحابنا على أنه لا يحل أكل ذبائحهم وكيف نبيح ذبائح من لا يستبيح ذبائحنا. Il a dit, compagnons de la Sha'ira sont tous unanimes qu'on ne peut pas manger de ce qu'ils égorgent. Et comment peut-on rendre licite de manger ce qui est égorgé par quelqu'un qui déclare que ce qu'on égorge est interdit? Ils prétendent que ce qu'ils égorgent les musulmans c'est pas halal. Alors ce qu'ils égorgent eux-mêmes est halal. وأكثر المعتزلة مع الأزارقة من الخوارج يحرمون ذبائحنا. Il a dit la plupart de المعتزلة avec la secte الأزارقة parmi les خوارج une secte ils disent que ce que vous égorgez n'est pas halal. وقولنا فيهم أشد من قولهم فينا. Nous qu'est-ce qu'on dit à leur sujet est plus grand et plus fort de leur parole à nos sujets. نحن أهل العدل والأمانة. Nous, Ahl Sunnah ou Jama'a, nous sommes les gens de la droiture, nous sommes des gens de la vérité. Qu'est-ce qu'ils disent de nous? Nous, on dit que ces gens-là sont en mécru par plusieurs choses. ولا يجوز عندنا تزويج المرأة المسلمة من واحد منهم فإذا عقد العقد فالنكاح مفسوخ لا ينعقد. Et il a dit, c'est pas valable de se marier avec un homme comme parmi eux ou une femme parmi eux. Et si quelqu'un a fait le mariage, il n'est pas juste, le contrat n'est pas juste. ثم قال والمرأة منهم إن اعتقدت اعتقادهم حرم نكاحها وإن لم تعتقد اعتقادهم لم يحرم نكاحها لأنها مسلمة بحكم دار الإسلام. Alors il a dit une femme qui a la croyance de l'Mu'tazila, on ne peut pas se marier avec elle. Mais s'il n'a pas eu la croyance de l'Mu'tazila, il s'attribue au Mu'tazila, mais il ne croit pas à ce qu'ils disent. Alors le mariage avec elle est valable parce qu'elle vit dans la communauté musulmane des parents qu'on s'attribue à l'islam et elle n'a pas cru à la mécréance. Elle n'a pas cru à la mécréance. وقد شاهدنا قوما من عوام الكرمية لا يعرفون من الجسم إلا اسمه ولا يعرفون أن خواصهم يقولون بحدوث الحوادث في ذات البارئ تبارك وتعالى فهؤلاء يحل نكاحهم وذبائحهم والصلاة عليهم. إلى ديل بغدادي qu'on a vu certains qui s'attribuent à la secte qui s'appelle Karramiyya. Karramiyya atba' Muhammad ibn Karram. C'est une secte qui suit un homme égaré qui s'appelle Muhammad, fils de Karram. Et de là vient Al-Karramiyya. Il a dit, on a vu certains parmi eux, ils disent pour Allah, jism, corps, mais ils ne comprennent pas le sens du mot. Pour eux, c'est-à-dire, ça veut dire celui qui existe. Nous bi'atubru anna ma'na al-jism yani al-mawjoud. Et ces gens-là, ils ne savent pas que leur chef, ils disent qu'Allah a des attributs qui se renouvellent, contingents. Ils ne savent pas que leur chef le dise. لا يعرفون أن أئمتهم يقولون بقيام الحوادث. الذي يقول بقيام الحوادث لا شك في كفره. Celui qui dit Allah a des attributs contingents, on ne doute pas de sa mécréance. Mais ces gens-là ne connaissent pas que leur chef dise ça. Et lorsqu'ils ont dit le mot jism au corps, ils n'ont pas compris corps comme c'est dans la langue arabe. Alors il a dit, ces gens-là, ils n'ont pas su le sens de ce qu'ils disent. Le sens du mot, ils la comprennent autrement. Alors il a dit, on peut se marier avec elle, et s'ils égorgent, on peut manger, s'ils meurent, on prie pour lui, parce que
comme tu as dit, il a dit un mot et il ne comprend pas le sens du mot. La yafhamana al-kalima. واجمع اصحابنا على ان اهل الاهواء لا يرثون من اهل السنه. Alors les gens de اهل السنه et les imams, il a dit, sont unanimes encore que les gens de ces sectes égarées n'héritent pas de اهل السنه والجماعه. واختلفوا في ميراث السني منهم فمنهم من قطع التورث من الطرفين وبه قال الحارث المحاسبي. Yani maintenant, lui, il n'hérite pas de musulmans sunnites. Mais est-ce que le sunnite, il hérite de lui, si son père, il est parmi ses sectes? Alors certains ont dit oui. Al-Harith al-Muhasabi, il a dit non. Al-Harith al-Muhasabi, son père, il était mu'tazili. Il a laissé 40 000 dirhams. Il n'a rien pris. Il a dit, « قال عليه الصلاة والسلام, لا يحلو, لا يتوارث أهل ملتين. لا يتوارث أهل ملتين. وأبوه كان قدري. » يعني يقول بالقدر شيء لا يصلح قال لا يتوارث أهل ملتين. Il ne peut pas avoir un héritage avec deux personnes de religion différentes. Et son père, il disait comme al-Mu'tazila au sujet du qadar. ولذلك لم يأخذ ميراث والده لأنه كان قدريا. ومنهم من رأى توريث السني منهم وبناه على قول معاذ بن جبل إن المسلم يرث من الكافر وإن الكافر لا يرث من المسلم. Yani, on a dit que certains savants de Al-Sunna, ils ont dit que oui, le musulman hérite de ces gens-là. Et ils ont pris la parole de Mu'adh ibn Jabal que le musulman hérite de mécréants, mais le mécréant n'hérite pas de musulmans. Et Abu Hanifa a dit Yarith al-Sunni min al-Bid'i, min al-Mubtadi' al-Dhal. Maktasabahu qabla al-Bid'a. Abu Hanifa, il a dit que le fils, il hérite de son père qui est innovateur, de ce qu'il a gagné, de ce qu'il a eu avant d'être bid'i. Peut-être il a gagné certaines choses avant d'être avec le Mu'tazila. Alors il a dit ça, il peut l'hériter de lui, ce qu'il a gagné avant d'être avec les Mubtadi'a. كما قال في المسلم يرث من المرتد ما اكتسبه قبل ردته ويكون كسبه بعد الردة فين للمسلمين. Il a dit encore, le musulman, il hérite de son père, par exemple, qui est apostat, ce qu'il a gagné son père avant l'apostasie. Mais après l'apostasie, ça c'est pour le trésor islamique. Il y a beaucoup aujourd'hui des gens qui meurent et ils sont apostats. Parce qu'ils se moquent de Dieu, ils insultent Dieu, tout ça. Alors tout ce qu'il a gagné après l'apostasie, on n'hérite pas de lui. Ça c'est le trésor islamique. Mais les gens ne mettent pas ça en pratique, les gens aujourd'hui. بيسأل عن الأحكام. إذا كان هذا الرجل كان مرتدا يسب الله ودين الإسلام أو يعترض على الله عند المصيبة أو كان مجسم أو نحو ذلك وهذا المال اكتسبه بعد الردة لا يورث هذا المال يكون لمصالح المسلمين. وقال في تفسير الأسماء والصفات ما نصوا فأما أصحابنا فإنهم وإن أجمعوا على تكفير المعتزلة والغلاة من الخوارج والنجارية والجهمية والمشبهة فقد أجازوا لعامة المسلمين معاملتهم في عقود البيع والإيجارات والرهون وسائر المعاوضات دون الأنكحة. Regarde qu'est-ce qu'il a dit l'imam al-Baghdadi dans son livre Al-Asma wa Sifat. Il a dit, et nous savons, c'est-à-dire l'Ash'ari, Ash'afi'iyya, même s'ils sont unanimes, ils ont l'unanimité que le Mu'tazila ont mécru, et les gens qui ont dépassé les limites, qui ont trop exagéré parmi le Khawarij, Al-Najjariya, Al-Jahmiya, Atba' Jahm, Al-Mushabbiha, ceux qui attribuent à Dieu le corps et les membres, et ils ont dit, mais quand même, on peut vendre d'eux, on peut acheter, on peut louer, mais on ne peut pas faire de mariage avec eux. Vendre et acheter, louer, oui, mais pas de mariage. فأما مناكحتهم ومورثتهم والصلاة عليهم وأكل ذبائحهم فلا يحل شيء من ذلك. Le mariage avec eux, l'héritage avec eux, prier s'il est mort et s'il égorge, alors il a dit rien n'est licite de ça. Ni le mariage, ni l'héritage avec eux, ni le fait de manger de ce qu'ils égorgent, ni de les marier nos femmes.
ou de se marier avec leur femme. إلا المورثة ففيها خلاف بين أصحابنا. Sauf que l'héritage, on a dit, il y a une divergence. Est-ce que nous on hérite de lui? Tu vois, où Abu Hanifa il a dit, on hérite de ce qu'il a gagné avant le bid'a. Alors là, au sujet de l'mirath, il y a une certaine divergence. فمنهم من قال ما لهم لأقربائهم من المسلمين. Certains ont dit, leur bien s'est égaré pour leurs proches pauvres, pour les proches des musulmans. Qurbahum min al-muslimin. لأن قطع الميراث بين المسلم والكافر إنما هو في الكافر الذي لا يعد في الملة. Alors il a dit que nous on a dit on n'hérite pas entre un musulman et un non-musulman, c'est-à-dire le mécréant qu'on ne le considère pas musulman, qu'on le considère pas musulman. ولأن خلاف ولأن خلاف القدري والجهمي والنجاري والمجسم لأهل السنة أعظم من خلاف النصارى واليهود والمجوس. Alors il a dit Abu Mansour al-Baghdadi, il a dit que ce qui la chose dans laquelle il nous a contredit le Mu'tazili, le Jahmi ou le Najjari, ou c'est une secte, Al-Najjariya, c'est une secte. On peut consulter le livre Al-Farq Bain Al-Firaq pour voir qu'est-ce qu'ils disent. Et l'anthropomorphisme Al-Mujassim, leur contradiction avec Ahl-Sunnah wal-Jama'a, il a dit, est plus grand que la divergence de ce qu'ils ont contredit les chrétiens, les juifs et les mages. Eh, yani dole Al-Mu'tazila يقول الإنسان يخلق الإنسان الله يطيع عبده يقولون يجب على الله فعل الأصلح المجسم انظر كيف يقول الله جالس قاعد ثم قال ما نصه أما الكلام في طاعات المعتزلة وسائر أهل الأهواء الضالة فأن أهل السنة والجماعة يجمعون على أن أهل الأهواء المودية إلى الكفر لا يصح منهم طاعة لله عز وجل مما يفعلونه من صوم وصلاة وزكاة وحج لأن الله أمر عباده بإيقاع هذه العبادة على شرط مقارن اعتقاد صحيح بالعدل والتوحيد. Alors il a dit encore dans son livre تفسير الأسماء والصفات que les actes d'obéissance qui ont eu lieu de la part de Mu'tazila et tous les groupes sectaires, Ahl-Sunnah wal-Jama'a sont unanimes que les groupes sectaires qui ont arrivé à la mécréance, rien n'est valable de leurs actes, ni jeûne, ni prière, ni zakat, ni pèlerinage, parce qu'Allah nous a ordonné de faire ces adorations avec la bonne croyance, tout en ayant la bonne croyance, en ayant tawhid. وبشرط أن يراد بها التقرب إلى الله تعالى مع اعتقاد صفة الله على ما هو عليه. Qu'on le fait pour Dieu عز وجل tout en croyant à Dieu comme qui convient à lui. Parce que si tu crois qu'il est encore, tu n'as pas connu Dieu. Tu as cru qu'Allah n'est pas le créateur de nos actes, tu n'as pas cru en lui. ولا يجوز أن يقصده بالطاعة من لا يعرفه. Alors comment il va dire, on va dire celui-là, il fait l'adoration pour Dieu et il ne le connaît pas. Comment il ne le connaît et il vise Dieu et il ne le connaît pas. هو ما عرف الله كيف تكون صح قصده بهذه طاعة القربة إلى الله وهو لا يعرف الله هو يتصور الله جسما إذا هو عبد تلك الصورة. Lui il a imaginé que Dieu est encore. Alors lui il a imaginé, il a adoré une image sculptée par l'imagination. Il n'a pas adoré Allah le Créateur. وقد بينا قبل هذا أن المعتزلة وسائر أهل البدع الضالة غير عارفين بالله عز وجل لاعتقادهم فيه خلاف ما هو عليه في عده وحكمته. Il a dit al-Baghdadi et on a déclaré, on a clarifié que le Mu'tazila et tous les groupes sectaires n'ont pas connu Dieu puisqu'ils ont eu une croyance qui contredit la réalité de Dieu par sa justice et sa sagesse et ses attributs. وقال في كتابه التبصرة البغدادية في ترتيب أئمة الفقه من أهل السنة ما نصه وقد دمر أبو حنيفة في كتابه الذي سماه بالفقه الأكبر على المعتزلة ونصر فيه قول أهل السنة في خلق الأفعال وفي أن الاستطاعة مع الفعل. Alors il a dit البغدادي dans son livre التبصرة البغدادية que الإمام
أحمد بن محمد الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه a démoli, a cassé, a écrasé dans son livre Al-Fiqh Al-Akbar ce qu'ils ont dit Al-Mu'tazila, et il a bien clarifié que Allah Ta'ala est le créateur et que la capacité avec laquelle l'acte se réalise, elle est avec l'acte, ni avant ni après. هذه عبارة الإمام أبو منصور فكن على ذكر منها. Voilà les expressions de la parole de Abu Mansour al-Baghdadi, الذي هو من كبار الأئمة الشافعية الأشاعرة. Al-Baghdadi, celui-là, c'est un grand imam chez les الشافعية الأشاعرة. يقال له إمام أئمتنا. C'est un imam pour nos imams. C'est vraiment un grand imam dans notre école الشافعية. والله أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.